fie à la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Maintenant, je vais vous laisser. Avant que nous laissions, ma soeur, mon frère, je veux dire nous, c'est une victoire pour capable de gagner, n'est-ce pas? Un mariage pour trouver une bonne femme. La Bible dans Proverbe Expo, trouver une bonne femme, son trésor. Trouvons une bonne femme, son trésor, c'est comme si son trésor était caché. Moi, je l'ai trouvé. Et nous bénissons, mon Dieu, après 18 ans. Et nous avons souhaité nous-mêmes. Mais pour bien trésor ça, c'est qu'on va être facile actuellement. Bon Dieu t'a révélé pour nous présenter une fois ça avec nous. Il dit, regardez comment nous belles, regardez comment nous bien habillés, regardez tout le monde qui réunit ensemble pour fêter avec nous. Tout le monde est rose, pas vrai? Mais il y a des moments où on est absent. Il y a des moments où on est travail. Il y a des moments où pas bien corps pour payer les billes. Il y a des moments où on ne doit pas même des machines pour courir. Il y a des moments où on est perdu dans sa nouvelle là. Il y en a où on a lâché. Mais comme il met pour gagner avec Marie, ou pas gagner ni pour beauté, ni pour bain, ni pour caille, ni pour machine, mais son commitment qui est sacré avec mon Dieu. Mais espérez que mon Dieu est capable de bénir nous, bénir foyer nous, afin que foyer nous capable de foyer positif. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés par le Seigneur, nous sommes bien ici, nous sommes bien mon Dieu. Le mariage de notre bien aimé frère Pierre et notre bien aimé sœur Marie. Le mariage est un état honorable institué par Dieu et qui représente une domestique qui existe en Christ et son Église. C'est cet état Christ l'a approuvé et honoré de sa présence et par le premier mariage qu'il a fait à Cana en Galilée. Il est recommandé à l'Esprit du Saint comme l'état honorable chez tous les hommes. C'est pourquoi personne ne doit s'y décider ni s'y engager inconsidérablement, à la légère ou par sensualité, mais sage, avec respect, réflexion, tempérance, et dans la crainte de Dieu, en considérant avec sérieux la raison pour laquelle le mariage a été institué. Nous parlons de Pierre. Est-ce que vous ne pouvez pas gagner un secret qui empêche vous de marier légalement devant mon Dieu? Et vous-même, bien le seul? Ok. Parfois, nous sommes capables de camper, nous sommes capables de répéter avec vous. Elle a fait cérémonie sanitaire de maman, Messia, et nous disons tout. Et nous, maman, papa, pavio, nous sommes capables d'entourer nous. Foi Pierre, on peut dire avec nous. Moi, Pierre Bérard, je déclare ne connaître aucun obstacle qui puisse m'empêcher de contacter un mariage légal avec sœur Marie-André. Après ça, ensemble avec mon sœur Marie-André, moi, légal à frère Pierre Bérard. Pierre Bérard. Pourquoi tu appelles petit frère? C'est parce que c'est frère Jésus. Et vous-même, c'est sœur Jésus. Alors, est-ce que l'on a nous parlons de maman, yo. Côté maman. Maman, ça, c'est trop grave. Maman, nous sommes capables de faire nos bagailles pour emmener petit doigt, mes papa, mes bébés à faire. C'est pas de nous parler de petites filles encore. Je prends
à témoigner les personnes ici présentes, les personnes ici présentes, de ce que moi, est-ce que moi, Pierre Vera, je prends Sœur Marie-André, pour épouse, pour le meilleur, et pour le pire, dans la richesse, et dans la pauvreté, dans la maladie, dans la santé, pour te chérir, t'aimer, de maintenant, jusqu'à ce que la mort, nous sépare, suivant le commandement de Dieu, c'est là que je te promets. Nous ça, pas que nous avons dit côté ou déjà jouer ensemble. Est-ce que vous voulez un côté ou de commencer, côté de jouer ensemble, jouer ensemble, côté de là. Ok, ouais. Mais ça veut dire, ou avec Fouya, pas de commencement, pas de finissement. Et ça veut dire sexe ça. Je te donne cet anneau, en témoignage de l'alliance que nous contractons pour toi et moi, en ce moment. Vous pouvez le tenir en quatrième droite. Je te donne cet anneau en témoignage.